Ma présentation portera sur l'estimation de la mortalité et de la taille de la population déplacée de Tsitaro, ville située dans la région nord du Burkina Faso. La région du Sahel est actuellement confrontée à une crise humanitaire, conséquence du déplacement des populations causée par l'insécurité liée aux activités des groupes armés. Débutée en 2011 au Mali, les attaques des groupes armés se sont rapidement étendues au Burkina Faso. À la fin du mois d'août 2020, le nombre de déplacés était estimé à 1 863 000 personnes au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad, dont plus de la moitié, soit 1 013 000 personnes au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les régions situées au nord et à l'est sont les plus touchées par ces attaques qui alimentent en plus les conflits intercommunautaires et provoquent des déplacements de population. Ces attaques ont connu une forte recrudescence depuis le dernier semestre de l'année 2019, occasionnant un déplacement important de population. Les régions du centre-nord, Sahel et du nord concentrent à elles seules plus de 80% de l'ensemble des déplacés du Burkina. Dans le district sanitaire de Tsitaro, situé dans la région nord du Burkina Faso, Médecins sans frontières conduit actuellement un programme d'assistance aux personnes déplacées dans un contexte sécuritaire volatile. Dans le but d'aider à l'orientation du programme d'assistance aux déplacés et en absence de données sur leur situation, deux enquêtes ont été conduites dans la ville de Tsitaro du 13 juillet au 9 août 2020. Les objectifs principaux étaient d'estimer la taille de la population des déplacés de la ville de Tsitaro, évaluer les taux de mortalité brute et spécifique chez les enfants de moins de 5 ans, de déterminer les principales causes de décès. Ces enquêtes ont également porté sur la prévalence de la malnutrition, la couverture vaccinale et les conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et d'assainissement. Cette présentation se focalisera sur les trois objectifs principaux énumérés. Pour atteindre ces objectifs, deux enquêtes transversales ont été conduites dans la ville de Tsitaro. La période de rappel d'une durée d'environ 7 mois s'étendait du 1er janvier 2020 au jour de l'enquête. La première enquête s'est déroulée sur les sites des déplacés où tous les membres de tous les ménages ont été enquêtés. Puis, la seconde enquête s'est déroulée dans la ville par échantillonnage aléatoire simple. Pour ces deux enquêtes, l'échantillonnage aléatoire simple basé sur le contact des toits des maisons de la ville de Tsitaro par image satellite était prévu au départ. Cependant, le retard dans l'acquisition d'images satellites et le tracé des polygones de la ville ont conduit à la réalisation d'un échantillonnage exhaustif pour la première enquête sur les trois sites des déplacés situés en périphérie de la ville. La seconde enquête s'est déroulée dans le reste de la ville de Tsitaro par échantillonnage aléatoire simple et à partir de la base de données des points GPS de l'ensemble des maisons de la ville. Pour ce faire, les polygones de toutes les maisons de la ville ont été tracés par l'unité GIS et la ZGIS à partir d'images satellites datant du 6 juillet 2020. Tous les points en noir sur la figure du haut représentent les polygones tracés de toutes les maisons de la ville. Puis, les points GPS du centre de tous les polygones ont été générés pour constituer la base de données de l'ensemble des maisons de la ville de Tsitaro qui a servi au tirage aléatoire de 1 000 points GPS enquêtés. Après nettoyage par élimination des bâtiments administratifs, des écoles, des marchés, des lieux de culte, 906 points GPS ont été retenus pour l'enquête. La figure du bas, qui est un zoom d'une partie de la ville, met en évidence les polygones en noir avec les points GPS en rouge sur les polygones retenus pour l'enquête. Pour chaque point GPS tombant sur le toit d'une maison, tous les ménages de la parcelle ont été enquêtés pour l'enquête de mortalité. Pour l'estimation de la taille de la population, le nombre de personnes dormant sous le toit sélectionnés ainsi que les coordonnées GPS de la maison ont été collectées. Les résultats seront présentés en trois parties: l'estimation de la taille de la population, l'évaluation de la mortalité et la description des causes de mortalité. Sur les trois sites abritant les déplacés, 21 018 personnes ont été incluses, dont 20 030 personnes étaient des déplacés et retournées. Dans la ville de Tsitaro, 6 126 personnes ont été incluses et les déplacés ont représenté 26,5% de l'ensemble. Sur les sites des déplacés, l'âge médian était de 14 ans et les enfants âgés de 0 à 5 ans ont représenté 21,1%. Tandis que dans la ville de Tsitaro, l'âge médian était de 16 ans. L'estimation de la taille de la population a été basée sur la détermination du nombre moyen de personnes par toit rapporté à l'ensemble des toits de la ville de Tsitaro. Ainsi, pour l'ensemble des 5 195 maisons comptées dans la ville, à partir de l'image satellite,
La population totale a été estimée à 12 981 habitants avec un intervalle de confiance compris entre 11 744 et 14 252. La population déplacée de la ville a ainsi été estimée à 3 312 personnes. L'intervalle de confiance compris entre 2 323 et 4 475. Nous avons profité de l'opportunité du comptage exhaustif de la population sur les sites des déplacés pour évaluer si les chiffres de population estimés se rapprochaient des chiffres de population comptés. Ainsi, l'exemple du site 1 donne une population estimée à 2 698 personnes avec un intervalle de confiance compris entre 2 313 et 3 133, tandis que la population comptée pendant l'enquête était de 2 894 personnes pour ce site. Ces résultats sont semblables pour les deux autres sites. Les données collectées ont également permis d'analyser la densité de la population de la ville de Titao. L'analyse spatiale indique sur la première carte à gauche une forte densité des habitants en périphérie de la ville. La seconde carte à droite indique une forte densité de la population déplacée en périphérie de la ville, marquant surtout à la périphérie nord de la ville. La majorité des déplacés, environ 80%, est arrivée sur les trois sites ainsi que dans la ville de Titao au cours du second semestre de l'année 2019 et au début de l'année 2020. Le taux de mortalité brute était de 0,57 décès pour 10 000 personnes par jour sur les sites des déplacés contre 0,38 dans la ville de Titao. Chez les enfants âgés de moins de 5 ans, il était de 0,71 sur les sites des déplacés contre 0,42 dans la ville de Titao. Enfin, dans la ville de Titao, le taux de mortalité était de 0,33 décès pour 10 000 personnes par jour pour les résidents contre 0,54 chez les déplacés. Les décès de cause violente par arme à feu ou explosion ont été les principales causes de décès rapportées au cours des deux enquêtes. Ces décès ont représenté respectivement 32,1 et 23,3% des décès rapportés sur les sites déplacés et dans la ville. Les décès ont été rapportés pendant tous les mois de la période de rappel. Le maximum des décès violents a été rapporté au cours du mois de janvier et avril 2020 et le mois d'avril pour les décès non violents. Les deux enquêtes n'ont pas décelé de problème de nutrition et la couverture vaccinale était raisonnable. L'estimation de la population en combinant analyse d'images satellites et enquête au sol permet d'avoir une estimation robuste. La taille de la population en enquêtant que sur un échantillon et peut être combinée à une enquête de mortalité. Cependant, il est nécessaire d'avoir une image satellite récente, ce qui n'a pas été possible à temps sur les sites, mais l'a été sur la ville. Nous nous apercevons également que les valeurs obtenues pour la ville, après avoir été extrapolées sur les sites, donnent des résultats proches de ceux obtenus par le comptage exhaustif. Ce qui suggère que l'on pourrait estimer les populations dans les zones difficilement accessibles en se basant uniquement sur les images satellites. Ces estimations ont des limites, mais elles pourraient néanmoins être utiles pour les opérations humanitaires. Les taux de mortalité estimés étaient élevés chez les déplacés comparés aux résidents, représentant presque le double du taux des résidents dans la ville de Titao. Ces taux restent supérieurs aux résultats de l'enquête de mortalité conduite en 2011 dans le district de Titao, qui avait trouvé un taux de mortalité brute de 0,2 décès pour 10 000 personnes par jour. Les décès de cause violente par arme à feu ou explosion ont représenté la première cause de mortalité sur les sites de déplacés et dans la ville de Titao. Nous remercions pour leur support et tout le travail réalisé l'équipe de Médecins sans frontières au Burkina Faso, la GIS Unit et la ZGIS, les autorités de la ville, l'équipe des enquêteurs, ainsi que tous les ménages qui ont participé aux enquêtes. Je vous remercie.